Salut à tous, c'est Guillaume Alzaco. Alors aujourd'hui, j'ai fait le déplacement, donc gros bivouac avec beaucoup de monde. Donc je suis parti à Lyon, enfin on n'est pas à Lyon même, mais on n'est pas loin. Et donc, rencontre avec pas mal de youtubeurs, donc des gens que je suis sur ma chaîne, enfin je suis leur chaîne et ils suivent ma chaîne. Donc là, on va faire des rencontres, c'est cool. Donc il va y avoir Julien, donc la Costra. Ensuite il va y avoir Philippe Bilan. Ensuite il y a Michael, donc avec sa copine. Ensuite il y a aussi Agnès qui est venue avec Quentin. Et il y a également Sam et Joe Eastwood. Voilà, en tout on est 9. Donc voilà le cadre, je vous montre. Superbe, magnifique. Donc dans la région de Lyon et on est à côté de l'Ain. La rivière, c'est le l'Ain. Voilà. Super joli. Super super joli. Voilà. Faudrait que tu m'expliques comment t'as fait ta pâte à choux rôti. Bon, j'ai regardé sur internet. Non mais je connais la pâte à choux rôti. Mais pour que ta fille te dise c'est pas bon. C'est un goût bizarre. Elle n'aime pas tout ce qui est sucré, ma fille. Elle mange pas de bonbons, elle ne boit pas de jus sucré, boit de l'eau. Ta fille ne boit pas, elle mange pas de bonbons. Ouais, c'est clair, moi j'ai une nièce qui avait un j'ai appareil. Des choses à aller Alors la nuit, en plus, elle mettait un truc supplémentaire. Et chaque soir, elle donne un quart de tour à la vis. Spatule, une spatule, ouais. Et chaque soir ou toutes les semaines, il fallait qu'elle donne un quart de tour à la vis pour que ça serve. Julien qui fait son hamac pour la petite sieste. Il a pris 50 cm en un an. Et donc Mika, il a la colonne bon anniversaire! Quentin, je te vois! C'est vrai. Et il a fallu. Bonjour, je m'appelle Fifi. C'est vrai? Ouais. Enfin, pour l'instant. Le soir, je m'appelle Gaëtan. On verra ce soir. Hugues. Non, lui c'est pas Hugues, c'est Sam. Bon alors pourquoi tu me dis des conneries? Ou Max, ça n'est pas. Ah Max, putain, depuis hier je t'appelle Max. Mais tout ce ah matin, ouais, c'est tu ressembles. Enfin, maintenant que t'as plus les cheveux. Mais c'est ouais, ça lui plaisait ouais, pas là-bas. Et regarde-le où il va se mettre ce bureau. Et c'est moniteur ça. Et ça c'est moniteur, bordel. C'est moniteur ça. Ah là 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 là. C'est joli, les pans perdus, façon Agnès. Julien qui fait la sieste. Alors, il y en a quatre qui vont pas pouvoir se servir. Bon ben, pour ceux qui n'ont pas encore vu Agnès sur ma vidéo, voici Agnès. Qui revient de 400 jours de bivouac. Non, deux jours. Enfin, là, ça fait la troisième nuit. Là. Et là, c'est joli. Non, ce soir, quatrième. C'est le super caméraman. Maintenant, je viens de dire Guillaume. Guten Tag. Avec qui nous avons partagé une bonne partie là, de la nuit. Putain, une bonne partie, ouais. Désolé. Sam. Et où Quentin, tends-lui la main juste comme ça. Tu vas voir, ça va la. Elle est attends, tu vois, hein, tout de suite, elle se sent plus en sécurité. Non, lâche pas. Ah putain. Lâche-la, bordel. Ça va Agnès? Ça va? Bricoleur, ça me regarde.
Mais c'est pour faire balancer le bâton. Bah oui. Ouais, comme ça. On est dans les fils. Oui, oui, non, mais. J'aime pas les toques. Les arbres de la rue. Et je crois que tu lui as pété les couilles. Je sais pas pourquoi, mais tu lui as pété les couilles. Tiens, ça pue un toc. Allez, trouve-moi donc Philippe, mets-nous de l'animation. Là-dessus, là ? Non, je peux pas, mais... Là, par contre, je suis en admiration. Là, je peux pas, ça. En fait, il semble que c'est mieux, ça. Les informations qu'il y a dans l'environnement. Ouais, c'est ça. Non, mais t'as les branché sur un Apple. Voilà. Mais par contre, tu vois, je dis tout ce que je pense au moment où je le pense. Super chiant. Bah ça, j'imagine bien. Ouais. Hey, face c'est de Ray. Super chiant. Ça. Bah, dis. Bon bah du coup, il a raison, de la gueule. Bonjour, coquille. Je m'appelle Fifi. Oui. Bonjour les Fifi, Bilan. Bonjour les amis. Ah mais ça doit être vachement petit handicapant et fou. Mais non mais tout va. Quentin et Agnès. Oui. Oui. Alors on est parti pour faire un feu sur une table, mais dans l'eau. On relève le défi de David la fougère. Donc la construction de la table. Après on va mettre du feuillu, du sable, de la terre. Allumage du feu à l'archet. On va voir ce que ça donne. Julien qui s'y attelle. Grave, si tu fais de la merde, attention. Hein. On voit bien ma tête là. Ah bah là en zoom oui. Donc là ils creusent, ils prennent de la terre pour mettre sur la table pour l'isoler du feu. Et après on mettra du sable par-dessus. Et après allumage au feu à l'archet. The land wheels. Ah, il fait ça bien. Tu crois ça y a tous les ateliers là. Ouais. Moi je me suis arrêté à l'atelier Heineken. Bah, il est totalement folklore. Les bonnes étaient une fois chaudes. Soit tu le fais de manière rapide. Je sais pas si on les voit bien, hein. Si, je les vois. Enfin, moi je les vois. Après, alors, pour finir, Philippe,
Ouais, tu vois, il y a même deux points. Donc on s'aperçoit que sur la chute des étincelles chaudes, il y a un coin et puis un autre coin. Alors c'est comme, je me répète souvent, hein, c'est comme un petit peu le... Putain, on se fait agresser dans tous les sens. C'est comme le coton carbo, il y a le temps. Il y a tout à fait le temps. Et puis l'odeur, elle est particulière là. Ah là, on reconnaît bien l'odeur de... Je sais pas si tu avais déjà senti, Guillaume. Ouais, je le sens d'ici, ouais. L'odeur de la marcassite. Ouais. Ça fait un peu, ouais, comme la poudre. Très bien, Mika. Mika, regarde, je vais te préparer un petit nid. Mais non. Tiens, Mika. Ah, je déguste. On est tous là. Tout le monde est attaqué par les moustiques. Tu veux le directement le... On trouve là dans le soleil, tu regardes, il y en a 10 000. On regarde dans l'ombre. Là, maintenant tu replies bien ton... Voilà. C'est le coup qu'il faut bien que tu compresses ton nid. Et plus ça va fumer, plus c'est bon signe. Quand ça te brûle les ongles, c'est bon signe. Il y a des personnes qui bercent le nid. Bon, c'est un truc... Ouais. Bien parti là, Mika. Toute fumée qui se dégage. Non, c'est le meilleur bruit, c'est le meilleur. T'es bien là. Mets bien ta tête au-dessus. Ouais, qu'on rigole. Les agriculteurs ont des machines, est-ce que pour les sortir des champs? Quand, voilà, tu peux travailler comme ça en berçant. C'est long, hein. C'est une technique. Guillaume, c'est une des techniques qui est plus compliquée. Hein. Allez, ça va venir. Allez, oui, bon. Oui, c'est bon. Tu y étais, Mika. Tu y étais, continue. Il est là, tu y es. Bravo. Très bien. Donc Mickaël a quand même... je suis content parce que la dernière fois que j'ai fait une... J'ai fait la méthode percu avec ce genre de nid. C'est la fameuse fibre que j'avais présentée quand on était tous ensemble. Fibre de chêne. Et j'avais finalement, j'avais pas réussi à allumer faire partir le nid. Ouais, exact. Ouais. C'est ça en fait, c'est ta planchette. Ça fait plaisir. On enchaîne tous les sens. C'est quoi ce silence de cathédrale là? Toujours au feu tout le temps, ouais. On a peur qu'il y ait un courant d'air.
alors là, je me suis fait... Qui c'est qui pète? Non, pas pendant mon feu, friction. Mais c'était toi en plus. Bravo. C'est gagné. Et voilà, je sens quand ça va. Youhou. Bon, ben magnifique, ça y est. La totale. Sans coteau carbo, sans rien du tout. Et là, l'autre c'était le coteau carbo. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, Samy l'a fait. Ça y est. Non, j'ai même pas suivi. Pas grave. Trop de zit. Le seigneur des sèches. Tu veux souffler? Oh, c'est beau. C'est beau. Tu veux souffler? Par contre, c'est pas facile quand il y a un pic au bout là. Je m'étais fait un peu de faire un peu de fourchette. Ouais. Tu vois, souvent quand je tue, je pisse. Ah oui, ah oui. Là, c'est pas très très facile. Putain, mon frère, il est beau ça. Petite brochette de pigeon. Donc on a allumé le feu sur la table à feu au-dessus de l'eau, ça marche impeccable. T'as pas ton Easy 5? Bon, on va faire la tournée des perles. C'est du pain. Bon, bah aujourd'hui, au menu, on pas grand chose. Hein. Alors, Fifi, qui est en train de bouffer l'épaule. Qu'est-ce que tu nous fais de bon à manger, Fifi? Des patates et des carottes. Patates, carottes molles. Aujourd'hui c'est régime. On voulait faire un aioli mais on n'a pas de poisson finalement. Donc, ouais. On n'aura que les patates et les carottes. Ouais, parce qu'il y en a qui nous disent depuis 2 mois je pêche et puis. Hein. Ouais, bah. Je grand pêcheur devant l'éternel. Je ne l'ai pas dit dans la vidéo, mais il y a un concours de pêche à la truite aujourd'hui, ouais, donc ouais, la rivière ouais, est squattée. Sinon j'aurais sorti des carpes. De 3,5 kg. Non, tu nous as dit 3,8 kg. C'est vrai, mais je deviens modeste devant le caméscope. Le week-end d'avance. On a quand même un beau cadre, c'est super joli. Bon, on vient de finir de manger.
Et puis là, on va devoir décoller parce que j'ai mon TGV à prendre. Donc c'est là-dessus que s'achève ce bivouac et cette vidéo. Donc c'était très sympathique, on a fait plein de rencontres, très bonne ambiance. À refaire, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis ciao ciao, à plus.